bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour continuer notre aventure sur Dead Island et on a débloqué les voyages rapides et ça va faire bien plaisir. On va essayer de faire la quête avec la maison de Roxane, non, la quête avec les piscines là. Il me semble que c'était à Beverly Hills, hein. Oui, c'était à Beverly Hills. Ah, on peut choisir si on y va le jour ou la nuit. On y va le jour, c'est très bien le jour. On va essayer de trouver la bonne piscine, parce que du coup, la quête en fait donne que 2000 XP, donc je pense qu'on est complètement capable de la faire à notre niveau. C'est juste qu'on n'a pas dû trouver la bonne piscine, donc c'est pas qu'il nous manque un zombie, je pense que c'est vraiment la bonne piscine qu'il faut qu'on trouve. Ok, on arrive là, logique. Et une nouvelle quête secondaire, tiens. Bah allons-y, prenons-la. Oh hey, you got me the tapes, didn't you? I'm slowly sinking in, huh? Hey, thanks to you, I'm on my way back up, man. Tant mieux. Those samples and old ideas are gonna be part of a new album, man. Big themes, big riffs, sex, death, undeath, badass lyrics. Well, I'm a little out of practice with lyrics. I'm not gonna lie. Un peu rouillé, sérieusement. Screaming fans, screaming guitars. Oh hey. I gotta go to my place and get Chopper. The apocalypse needs a soundtrack, slip, man. And Rex is gonna ride with the horsemen. All right, but I'll go, man. I can get the chopper for you. Oh yeah? Oh, killer. Cause I got this song brewing, and I gotta keep hold of it. Oh, you need to find Misha. Chopper's locked away upstairs at my place. You gotta be careful. Cause this one time when we didn't lock up, when the party finished, the whole upstairs was like empty, totally cleaned out. So yeah, Misha, she had the key. Okay, Ricky, I'm going. You best go around the back through the kitchen. Oh, and if the band are there and, you know, milking their encore, could you send them up to the big gig in the sky? I'll rock them into the next world, don't worry. And I'll be back with the chopper. Okay, ça envoie du rêve. Alors du coup, vu qu'on est là, des petits fusibles peut-être. Inventaire plein. Quoi? Comment ça, inventaire plein? Fous de ma gueule? Faut que je vende quelques trucs? Ou genre je peux pas avoir plus de 3 fusibles? Qu'est-ce que c'est délire? Inventaire plein. Hello Dacus, son du jeu saccadé, pas le micro. Ah mince. Oh, attends. Je vais relancer le jeu, ça l'a fait déjà une fois. Hop là, on est de retour. Normalement ça lag pu. Et j'étais en train de regarder, on peut avoir que 3 fusibles visiblement, parce que ça me dit que mon inventaire est plein. Et à moins que les balles prennent de la place, ça serait bizarre quand même. Alors par contre ils vendent pas de balles de revolver, ça c'est trop, ça c'est un peu triste ça. Et je peux en vendre des balles, voir si ça fait de la place. Oh, on a de la chair de zombie, tiens. Cool, ça doit être les saloperies qui explosent qui nous laissent ça. Bon, visiblement on peut pas vendre les balles, donc ni les fusibles, donc j'imagine qu'on doit pouvoir en prendre que 3 du coup. Alors, on a la carte de voyage rapide partout maintenant, c'est cool. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver la piscine. Donc du coup, on a fouillé ça, c'était pas la bonne. On a fouillé celle-là, c'était pas la bonne. On a été voir ici, c'était pas la bonne. Mais ça, c'est sa maison, je crois. C'est la maison, ouais, c'est la balade. La balade de Ricky. Du coup, bah en vrai, là, il n'y avait pas de piscine. Il reste là, éventuellement. Peut-être ici. Il y a des baveux. On peut aller voir, c'est juste en face. Hein. Ok, on va aller voir par là. C'est parti. Alors pourquoi j'ai un vieux. Pourquoi j'ai un truc sur ma map là? Où est-ce que je l'avais mis ce pointeur là? Supprimer de point de navigation, je l'ai mis là. Pourquoi? Je ne sais pas.
Juste histoire de dire. On va le mettre là. Comme ça, ça me donnera une direction. Normalement. Sans cette maison là. C'est pot de balle. Ouais, effectivement. J'ai même pas ce qu'il faut quoi. Allez, on va aller voir si c'est cette piscine là. On peut rentrer par ici. On va espérer qu'on va pas tomber sur trop de baveux. Bah ok, très bien. C'est nickel. Alors, c'est en train de vomir partout. Ah oui, parce que la piscine est toxique. Génial. Putain. Faut rentrer là. Visiblement, c'était un endroit où foutre la merde. Du coup, on va prendre notre petit pied enflammé. Je pense qu'on va faire le taf là-dessus. L'autre là, il est où? Crève-toi. Ça a pas l'air d'être tout à fait la zone qu'il nous faut, hein. On charge notre colère sanguinaire, au pire hein, on ira les nettoyer à l'ancienne s'il faut. Qu'est-ce que c'est que ça? Brisé. Mais maman, si vous recevez cette lettre un jour, je vous en conjure, quittez vite la banlieue, vous ne pouvez pas rester là et risquer que ça dégénère autant qu'ici, il y avait un corps de bébé qui ne passait pas dans le... Non putain, je refuse d'écrire ça. Il faut que vous partiez. Si vous partez loin de la ville, vous n'aurez peut-être pas à faire ce qu'on est obligé de faire ici, avoir tout ce sang, la bouillie de chair acide assez pour remplir des piscines et faire déborder les égouts. J'espère que ce n'est pas encore arrivé jusqu'à vous, il y en a partout, c'est partout, partout le rouge, tellement de rouge que je vois plus que ça, j'ai oublié tout le reste. Sauf vous, je me souviens de vous. Waouh. Sympa. Ça fait rêver. Bon bah je suis pas convaincu que ça soit ça la piscine en question. Gros tas, lâche-moi. Ok, moi je fous à terre. Putain, c'est où ces coups critiques là qu'il faut hein? Ok, il est mort. On a réussi postillon. Par contre, ça a l'air d'être pas tout à fait adéquat. Est-ce qu'on a... Alors, est-ce qu'on sait maintenant ce qu'ils sont comme faiblesses? Non. Non, malheureusement, non. Ok, ça envoie de l'eau là-dedans, très bien. C'est cool. C'est d'une efficacité... relative, on va dire. Ah putain. Il faut ça de nouveau. Attends, on a failli crever liquéfié quoi. Tout ça pour récupérer une arme. Putain mais cours! Qu'est-ce que tu fais? La vie. Ah
putain, mais ça fait tellement mal. Soigne-toi, débile. La colère sanguinaire, c'est le bon moment là. Ah merde. Presque. Genre, je suis où? Où est-ce que je suis? D'accord, j'apparais là. Génial. Et moi je veux aller ici. Comment on sort d'ici? Là. Je vais aller dans cette maison là qui est hyper loin, donc le temps que j'y aille, ils auront eu le temps de ressusciter 60 fois. C'est pas cool! C'est pas cool du tout! Du tout, jeu! Ok, je suis mort, mais c'est quand même pas cool! Ah non, ça va. Ok, ils ont pas eu le temps de trop ressusciter. Il y a quand même un bruit de baveux là. Même si je le vois pas. Ah, il est en haut. Ah oui, du coup il me vomit dessus, logique. Ah, mais il y en a deux. Oh là là, mais quel enfer! Il faut que tu te soignes, meuf, quand je te demande de te soigner, par contre. Pontage gastrique. Tuer 10 baveux. Ah, du coup, ça veut dire qu'avec 10, j'ai débloqué leur point faible. Alors, c'est où déjà? Objet à collecter, voilà. Tatata, les baveux, ils sont les baveux. Forme supérieure, ok là. Les baveux sont résistants aux dégâts contondants et de projectiles, sont insensibles aux dégâts caustiques, mais vulnérables aux dégâts tranchants, électriques et hémorragiques. D'accord, ok, très bien. Donc c'est pour ça qu'avec mon gros truc contondant, je leur faisais rien. Il faut qu'on y aille avec ça plutôt. Par contre l'autre, il est placé en haut là. Bon, ça m'étonnerait, j'ai pas l'impression qu'il y ait les trucs de piscine qu'il nous faut là. Tu vas là. Va ici plutôt. Voilà. Ah ouais, il y en a partout dans la maison quoi. C'est impressionnant. Putain. C'était un explosif. Et en plus, il y a un piège là. Que j'ai dû déclencher sans faire trop attention. Ça mange pas de pain. Ah putain non, c'est vraiment en plein dans la saloperie, il y en a partout quoi. Mal.
Bon, bah de toute façon c'est pas cette zone là qu'on veut, donc on va dire que c'est pas grave. C'est pas ici qu'on veut aller. Donc cette piscine là, c'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité? Bah il nous reste la maison avec le chantier là. Là il y a un truc qu'on n'a pas fait. On va aller voir, tiens. Et puis on s'est bien assez pourri la zone. Hein. Allez, hop. On va retourner dans notre bonne vieille maison en chantier. Exploser ce con. Okay. Exploser. Alors. Là on est d'accord, c'est électrifié. Ah c'est un sprinter électrique, merde. Je voulais le pousser dans la piscine mais du coup c'est raté. Va péter. Bah c'est pas électrisé ici, zut, je pensais. Ça c'est un exploseur ça. Ah il y en a deux. Putain mais il veut pas exploser. Ok il veut pas exploser. T'es sérieux? Putain c'est ouf. Ces gens qui veulent pas exploser là. Une carte de tueur, j'ai déverrouillé en tuant des gens. En colère sanguinaire, les zombies tués explosent. Ah ok, sympathique. Non, on va garder ça. Et l'autre, c'était quoi? Ouais, les bonus de dégâts quand on prend des dégâts. Ouais. On va le garder. Alors, du coup. Ah ok, c'était un fusible. Eh bien, parfait. Vu qu'on en a suffisamment. Ouf. Waouh. Excusez-moi. Ok. Ok, on s'en est pas trop mal tiré. Un bâton rare. Bah écoutez. Wonderful! Que demander de plus hein, qu'un bâton après tout. Donc. Ça pourrait être cette piscine là. Donc il faut qu'on re-rentre. Non, c'était pas une piscine, c'était pas un cours ça. Non, le cours de tennis il était là. Faut qu'on re-rentre dans la maison. Par ici, il y a une petite porte juste à gauche. Là. Et là, on va tout droit. Mince, ça m'a pas l'air prometteur encore. Bordel, mais on a fait le tour de toutes les piscines du coin quoi. C'est pas possible. C'était
C'est pas cette piscine là, ça c'est clair. Voilà, tombe dans l'eau. Hop. Zout. Alors est-ce que ça marche qu'avec les piscines? C'est bien Beverly Hills. C'est bien Beverly Hills. Bah justement dans les messages de la quête il parlait de la bouée en pizza. C'est l'information la plus précise qu'on a. Là, c'était les piscines. Ah, mais non, il disait une piscine à Bel Air. Oh, ouh. Une piscine à Bel Air avec des pizzas. Ah, oui, j'avais oublié ce petit détail. Donc, ce serait à Bel Air du coup. Ok, donc on va faire la quête du coin, la balade de machin truc. Il va falloir qu'on retourne à Bel Air, on y retournera avec le truc rapide du coup. Bien vu Canton, tu vois je l'ai lu en plus hein, plusieurs fois mais j'avais pas percuté plus que ça. Sur la bonne route là? Absolument pas, il faudrait que je prenne la route qui monte plutôt. Plutôt cette route là. Attends, il y a des gros tas partout. C'est pas cool. Tiens, les trucs à fusible, est-ce qu'ils se rechargent? Je passe votre VF. Non, c'est ouvert, ça se recharge pas. Hop là. Ok, allons par là. Yeah. Party's still raging. Bouffe à zombie. Ah, on trinque au signe pour John, c'est parti. Merci John. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Frontière Sprinkler. On va balancer de la flotte, on sait jamais. Ah c'est ce truc là, ah oui ok, ça, ça active ça. Yeah, this is exactly the kind of house Ricky Rex would own. Ah, il y a des zombies qui sont en train de rentrer par derrière. Je vois que je fais des dégâts à quelqu'un. Faucheux, ça doit être sa guitare, j'imagine. Can't lie, this looks fucking cool. Ricky nous a dit de passer par la cuisine. Ouais, c'est où la cuisine? Ah, y'a un chemin par là. Qu'est-ce que cette maison encore? Une bouée licorne, exactement. Mais c'est une bouée pizza qu'on cherche.
Force. Tu m'as eu. Je te l'accorde ce point. Une petite pipe à eau ? Ah bah voilà, tu vois, ça c'est une bouée pizza ça. Bon, elle est à l'envers mais... On est déjà venu ici en plus. Team bouée licorne pour John Peace, merci. Merci beaucoup John Peace pour les points. Et c'est ici, j'étais déjà venu justement, je m'étais dit que c'était cette piscine là parce qu'il y avait des espèces de pétales qui s'envolaient, mais en fait c'est juste de la cendre. C'est juste que ça faisait pétales de rose dans le soleil couchant ou dans le soleil levant. Ah écoute, on va retourner voir la boue licorne pour la peine. Regarde ça si elle est pas jolie. On peut pas monter dessus par contre, on avait déjà testé avec Shobiti hein, qui est team boue licorne également. Locked. What the crap was he rambling on about? Ah oui, Misha. Misha has the key. I gotta lure her to me. Misha, Misha, Misha. Sympathique. Alors déjà, il y a du pétrole là. Ça sent l'invasion de zombies, donc on va se faire plaisir. Hein. On va se préparer. Ah mais il y a de l'eau là, fuck. Donc on va plutôt aller par là avec notre pétrole. Voilà, ça fera une petite bombe. Qu'on relie parce qu'on va exploser ce machin là. Donc là avec l'eau on pourra éventuellement électrocuter des trucs avec notre pistolet. Un petit ricochet. Oui, ça se tente. Écoute, on va mettre en haut, hein, on va voir ce que nous propose. Let's get this party started. Alors, là il faut qu'on recharge. Pour l'instant c'est que des petites merdes. Sorry about this. Ricky says hi. Ah putain. Ça me pète à la gueule. Bassiste. Coup bassiste. Raté. Désolé ma vieille. Recule. Recule dans les flammes. Bon, ok. Moi le malin là. Hein. Un petit coup sur le crâne. Eh, hey, j'étais en train d'écraser des gens là. Calmez, on se calme un peu. Merde, ça c'est un explosif ça. Stay out of trouble. Ah mince. Mais il explose par fait. When they gonna play the good stuff? Waouh.
Ça, ça a explosé, ça. Un petit soin. Aïe. Ah putain, il fait exploser la moitié de la map l'autre là. Où suis-je batteur? Bon, c'est un petit peu short en vie là. On se replie. Ah d'accord, il faut que je retourne dans la zone sinon je perds. Ah, c'est embêtant. Y'a pas de quoi soigner un peu là? Putain, c'est un explosif ça! Ouah. Dégage-toi. Ah bordel, ils sont nombreux encore. On remonte. Le batteur il est violent hein. Ça a pété. T'es sérieux, t'es pas encore mort. Voilà. Bon. Maintenant ils vont nous prendre quoi? Une petite chanteuse, ça va être la hurleuse, un truc du style. Faut se casser, il va exploser lui. Oh non! Ok, temps de se replier un peu. Elle va crier. Bordel. T'as plus de jambes, t'as plus de jambes. T'as plus de jambes, t'as plus de jambes, t'as plus de jambes. Pourquoi j'ai. Je suis à main nue quoi. Meuf, tais-toi, t'as plus rien là. T'es en flamme. Un kit de soins là. Moi aussi je peux crier. C'est un qui va péter ça. J'ai pas pété ses grenades. Voilà, j'ai pété ses grenades. Cours. Petit kit de soin, petite barre. Il a pas explosé, sérieux. Il doit être immunisé contre les flammes ou comme il est genre. Non, il va exploser là. Il va exploser là. Et on a réussi à attrape 25 zombies avec des zombies explosifs, ok.
Et bah c'était intense. Oh putain, en plus il y a un gros tas qui arrive. Et bah écoute, salut mec, je me casse moi. Un fusil de chasse et les clés. Hop, bisous. Jackpot. Wonder if Ricky has a golden toilet up here. Bon, il va pas me lâcher, hein. Il nous fallait le truc hémorragique. Ni vulnérable, allez, c'est le moment de le cogner. Oh oui, ça fait tellement plus de dégâts les trucs hémorragiques sur eux. Il y avait du monde, ouais, il y avait du monde, ouais. Je suis assez d'accord, John, il se foutait pas de la gueule. Alors autant des fois, on est hyper large en kit de soins, autant là, faut avouer que c'était la violence. Et du coup, on a débloqué un fusil de chasse. On a cassé notre super truc. Ça utilise les mêmes balles que ça. Il y a 19-19, on dirait, c'est embêtant. Ça, on crame les munitions à une vitesse de dingue. Logique. Là, un peu moins, mais on en a pas tant. Faudrait que j'enlève cette arme, elle est trop lente. Là, le gros merlot là. Battez-vous pour parvenir à l'étage supérieur. Mais ça ne s'arrête jamais. Ah non, un exploseur. Putain l'enfoiré. Il était caché derrière tous les autres quoi. Bon, du coup au moins il a buté ses copains. Ah mais il y en a combien? Explose. Ok. Je veux pas, voilà. Surprise. Exactement. Right. This chopper's gotta be around here somewhere. Toi, va te faire voir. Alors. Ok, c'est fermé. Essaie de m'avoir, toi. Voilà. Il y a toujours la musique dehors, quoi. Ok, les petites balles de fusil, ça fait toujours plaisir. Notre colère sanguinaire en cas de besoin. Au diable la Tasmanie. Cher monsieur Rex, merci de nous avoir contacté. Je suis heureux de vous informer que le zoo ne propose pas l'allocation des animaux à des fins d'animation sociale. Autant que je sache, aucun singe n'a jamais effectué de saut en parachute du haut d'une girafe. Ah putain. J'aimerais attirer votre attention sur la loi pour la protection des animaux et la lutte contre la maltraitance animale. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu extrême là. Ah merde, c'est déjà ouvert. C'est difficile des fois de voir entre les endroits où il y a de la vitre et les endroits où il n'y a pas de vitre. Ici il y a quoi? Quelle idée de laisser ses sous-vêtements un peu partout. Non mais t'as vu hein, ils sont insupportables. Insortable les mecs. Ok, ça va là. Santé, colère sanguinaire au max. Parfait. J'entends un bruit de zombie. Toi t'es un zombie? Non, t'es mort. Putain,
putain de sa mère. Mais vas-y, là, explose. Les trucs exploseurs planqués là, c'est le pire dans ce genre de jeu quoi. On tue des gens avec des pièges à l'autre bout du monde. Hop. Ça c'est fait. Y a pas d'exploseur dans un coin, c'est bon. Sympa la peinture. Ah, j'ai pas fait gaffe à la peinture. Oh, bah ça c'est joli par contre. Un katana. Dommage, il est vert. Ok, donc il y a des zombies qui sont réapparus en bas, mais ça va, c'est de la petite merde. Ça, je l'ai pas ouvert ça. Non, je peux pas ouvrir. Hey, Chopper! That's gotta be it! Eh ben, il faut encore lui ramener maintenant. Ah! Qu'est-ce que tu fais à toi? Sale bête. Dans la salle de bain, quoi. En plein dans les ongles morts. Bravo! Bel état d'esprit. T'es mort, toi t'es pas mort. Excuse hein, je t'explose la tête. Ok, donc maintenant qu'on a ramassé la faucheuse, il va y avoir des nouveaux zombies visiblement. Ah oui, il y en a quelques-uns. Regardez là. Eh, elle est là, elle est là. Regardez, c'est bon. Bah oui, c'est bon tout ça. Ah, il a pas pris feu lui. Ça c'est ballot, non, il est mort. Il va crever aussi. Soupe de tortue. Tu es décontaminé anti-émeute, d'accord, ok. Soupe de tortue. Why not? Ah mais non, mais il y a un gros tas en plein milieu, quoi. Sérieusement, quoi. Et en plus, il me tire dessus. Et en plus, je me traîne à courir. I just killed gods and whiskey. Wild. Bah arrête de te sentir bien et cours. Voilà, on est bon. On va pouvoir réparer un peu nos objets cassés. Donc lui, on va le réparer pour le revendre. On a quand même bien nettoyé. Alors du coup, si on le revend, qu'est-ce qu'on va prendre? Là, on a un bâton. C'est à deux mains, ça? Deux. Ok, non, c'est vraiment la batte de baseball. Très bien. Et ça, la hache militaire. Oula, il y a des fois, il y a des petits lags là quand même. Je suis désolé. 6 FPS, je vois pas trop pourquoi. On se calme, jeu. On se calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en PLS là? C'est le soleil couchant qui fout la merde, c'est ça? Qualité des ombres, on va baisser un peu, ça devrait aider. Waouh waouh waouh, on se calme. Qu'est-ce qui lui arrive quoi? Je rentre dans la maison et c'est le drame quoi. Alors je suis désolé pour le rendu.
Si je bouge plus, c'est mieux ou pas? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Bon, il y a peut-être encore des petits problèmes de... On va se mettre en moyenne, voilà. Il y a peut-être des petits problèmes d'optimisation encore. Hein. Ok, normalement c'est bon là. Non, même pas, on retombe à 27 FPS. Très très bien. Et bah, ok, on est reparti, on est de nouveau fluide. Incredible. Du coup, la hache. Ah, je préfère la batte. On va garder la batte. Et on va voir ce qu'on peut mettre sur cette bonne vieille batte. Un perforateur, allez, un perforateur amélioré, tiens. Augmente les dégâts. Ok, simple, efficace, j'aime. Et on a la puissance d'impact. Oh bah oui, elle a l'air tellement mieux équipée comme ça, cette batte de baseball. Donc au niveau des réparations, j'ai l'impression que quand on améliore un peu, ça... on va fabriquer plutôt les balles plutôt qu'à les acheter. On va faire un petit kit de soins, allez, deux kits de soins. Et on va rendre notre petite quête. Oula, j'ai chargé là. Non, je veux pas charger la carte. Je veux ramasser les loots. They said this old skull. Oh, you got Chopper! Killer! This is it, New Dawn! Oh, did you... Et on fait des home runs avec les têtes, nous, plutôt, Canton. They went out partying like it's 2099. That's... They would have wanted that. I'm gonna write them a song for the new album. Slam to the Slaughter. You're making a new album? Yeah. Check this out. One man and one woman and her pain in the ass daughter on a quest through the apocalypse to put a band together playing music so spine-shakingly epic the zombies' heads literally explode. That's one way to save the world. But hey, make Jesse your tour manager, okay? You need her if you're gonna stay alive. Yeah, yeah, that works. Another new start. Hey, you really helped me out. Oh, I got this big sword I used on the Knights of the Sound Fable tour. You want it? Fuck yeah! Gods and whiskey. Oh. Ah ouais, on a une super épée. Farouk. Du coup, on a débloqué des nouvelles cartes de tueur. Attaquer un bon zombie bas en santé donne un bonus mineur de dégâts. Ah, ça peut être pas mal pour finir les gros tas quand même. Enfin, le mutilé qui rend de la santé, je pense qu'il est mieux. Ça par contre... non, on voit qu'on le voit stacker le bonus de dégâts en haut. Et donc du coup, on a... Okami en whisky. Alors qu'est-ce qu'elle fait de base? Tranchant, mutilation, mutilé restaure de l'endurance, cible les membres, donne des coups critiques, augmente les dégâts aux membres, tue un zombie, donne un bonus d'agilité. Ok, pourquoi pas. On va la garder du coup. Alors du coup, on va te vendre. Ça. Annuler, non. Vendre, on va te vendre ça, c'est trop lent, on va te vendre la hache, ça en garde, ça. C'est le katana, on le vend. Ah, et on dirait qu'on peut pas vendre les armes légendaires. On peut reprendre des fusibles. Je peux en reprendre 3, c'est complètement con. Attendez, j'en ai vraiment 5 là? Non, j'ai toujours que 3. Ok, d'accord. Donc on peut en prendre que 3 max, très bien. Alors du coup, par quoi on va remplacer ça? On a beaucoup d'armes là. Hein. On va peut-être virer... Garder les trucs jaunes. Ouais, on va virer lui, je pense. On va lui vendre. Hop, voilà, ici. On peut vendre un peu de ça. Tuck.
Ça aussi on est plein. Vente 20. Le reste ça va. Ils sont en train de se faire des petits mots doux derrière là. Ils nous vendent des clous. Fusil de chasse, non. Fusil à pompe, non. Non. Bon, globalement au niveau armes, je pense qu'on peut se passer d'en acheter. Oh, ils sont trop mignons. Tu serais super sexy en zombie. Oh, c'est trop gentil. Si je devais me faire manger, ce serait par toi. Alors, on a deux quêtes secondaires, mais on va essayer de faire cette quête-là. Donc du coup, on va aller à Bel Air. Voir les piscines de Bel Air. Le jour, tant qu'à faire. Bon, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose en termes de zombies le jour et la nuit, mais en termes de visibilité, par contre, ça joue. Ah ouais, là, le harpon dans le bide, hein. Jamais agréable. Admit it, you missed me. I did, actually. I'm sorry for how I left things. It's good to see you alive. Yeah, same here. Alors, on va en profiter pour équiper notre petite. Épée, alors on a quoi? On a du Kiseng. On a de l'impact, on a des flammes, on a du Kiseng deux fois, donc c'est pas mal, ça nous permet de taper les gros tas. Il nous manquerait un peu d'électrique éventuellement, ou du caustique, mais le caustique c'est pas si ouf. Hein. Ah, on peut mettre un mutilateur niveau 2 par contre. Et affaiblir les ennemis. Ouais, c'est bien ça. Et du coup, on se met. On augmente les coups critiques. Ouais. J'adore comment on pourrit le machin en mettant un une grosse double lame, quoi. Excellent. Alors, il faut qu'on trouve des piscines. Des piscines. Ah, il y a une quête secondaire, on va aller voir ça. Alors, est-ce que ce serait Emma, ça se trouve là? Non, ce serait pas Emma. Ça peut pas être Emma. Là, il y a une bouée. Une bouée licorne ici, on pourrait aller jeter un œil. Lui il avait pas de piscine, là il n'y a pas de piscine. Alors ça c'était le trou à rats. Ah là il y a. Il y a une truc en pizza là, dans le trou à rats. Il y a tellement de piscines. On peut peut-être commencer du coup par aller voir là-bas. Alors il nous faudrait un marqueur, genre là par exemple. Ah mince, on peut pas mettre de marqueur sur. Sur les zones qu'on a déjà visitées, c'est dommage. Bon bah du coup on va aller chercher la quête secondaire qui doit être pas loin. Qui est en dessous. Ah c'est Curtis qui a une quête, parfait. Hey old timer, you've gotten comfortable, huh? Company's a marked improvement here. That's for damn sure. Just a pity that the tasteful Miss John left the stocking of the liquor cabinet to her tasteless hound of a husband. Visiblement, il était pas beaucoup aimé le mari, hein. Why settle for less, I say. These good people welcome me into their home. They deserve the best. And I happen to know that slacker up the hill was holding on to some vintage art killing whiskey as an investment. Ouf, and when those internet kids moved in, I gave them a bottle of Maison Saint-Vivant that's older than they are. If only some kind soul would help an old man out, I could raise everyone's spirits. Oh, I get it. You're lucky you're charming, Grandpa. Ha ha ha! Get me those drinks, and I swear to you, I'll make it worth your time. I've got something special. Ah, il va peut-être nous filer Penny. Ce serait cool, ça. Undead bastards slither back into their graves. All right then. Better not keep them waiting. I knew I could rely on you, kid. Godspeed. You ever held a gun before? Alors. Ah ouais, on donne Peggy. Peggy x 1. Ah, et là on gagnera la bombe acoustique.
3000 XP, 500 balles. La question c'est si je la fais maintenant, est-ce que je gagne Peggy en légendaire ou est-ce que c'est comme l'arme là est tombe en l'arme que je viens d'avoir est tombe en bleu. Best be a quick study. We're in enough danger without everyone waving guns around. If the zombies get in here, you better use anything you can to fight, whatever it takes. We've all had to do terrible things to survive this far. Necessary. Peggy 18, non, c'est Peggy son gros fusil. Peggy le gros fusil, on l'appelait comme ça. Alors attendez, faut que je trouve encore la meilleure sortie parce que c'est tellement le bordel dans cette maison. On veut aller, ça c'est quoi ça? Sortie de zone. D'accord, il y a des sorties de zone ici, très bien. On veut aller tout en haut, chercher... Ah, on peut mettre... Ah, on peut la suivre, ok, bon, on peut la suivre, c'est déjà mieux que rien. Non, c'était pas là, c'était où? C'est où que j'ai vu une piscine avec un... Ah si, bah si, c'est là, c'est ici, ok, c'est là. Donc on va bien là, on va ici, très bien. En avant. Et hop, tirons-nous. Alors le problème c'est qu'il y a deux marqueurs. Un qui est juste là, bah on va passer voir ici aussi, tiens, donc on y est, parfait. Hop là, on se faufile, c'est tout prêt. If I was loaded, where would I keep the fancy whiskey? On va vérifier la piscine, même si je pense que du coup c'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne. Alors, où est-ce qu'il planquerait le whisky? Bah, je sais pas, dans la cuisine, ça me paraît effectivement un bon départ. Nah, the temperature in here is all wrong for whiskey. Fact. Ah tiens, un truc. Jeez, save some for the... Alors, la livraison. Arkling vous remercie pour votre fidélité. Ouah, putain, les sommes, quoi. 15 000 balles. Alors, le client demande de l'aide pour déplacer deux caisses dans la cave à vin, une dans le bar privé et une dans la cuisine. Rest of us. Ah putain! Faut vraiment que je m'habitue à reconnaître leur bruit. Bon, le home run a l'air de faire le taf. Hein. Alors, dans la cuisine. Bah, c'est là la cuisine, non? Dry, dry, dry. Non, c'est trop froid, ok. Ah ok, on arrive là. Tiens, la vitre s'est reconstruite et l'alarme aussi. Pas de problème. J'aimerais bien que j'avais entendu un bruit d'éclateur. Oh, locked. Gotta be a way around. Ok. Cherchons un way around. Une épée zombie, très bien. Ça c'est un objet qui me paraît intéressant, une épée zombie. Oh, un écraseur, forcément quoi. Alors, si je me gourre pas, eux, ils étaient faibles face aux dégâts hémorragiques. Donc on va pouvoir tester notre petite batte de baseball sur lui. Non, oui, ça lui fait tellement mal. Aïe. C'est pas paré quoi. Ok. Maintenant t'es paré. Hop. Bon, bah, on va garder l'idée des trucs hémorragiques pour taper sur eux. Hein. Oh l'enfoiré. J'ai vu le fusil, je me suis dit ah non.
Aïe 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 aïe, ça pique les fesses. Bon. Gaffe au piège du coup. Ah, il y avait deux fusils quoi. Faut qu'on surveille les fils. Ouais, il y a des fils partout. Ok, très bien. En plus, il y a des zombies. Putain, ça déconne pas hein, les fusils qui mettent le feu à tout et tout, toute la map quoi. Ah, c'était une plaque au sol. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Ah, les cons. Du coup, ça s'éteint ou pas? Voilà, ça s'éteint. Lui, on peut le désarmer, voilà. Comme ça, au moins, ça pète plus. Locked shut. Chica wasn't messing around. Alors, Colt, Cindy, j'ai encore mis quelques objets de valeur dans l'abri, tout est sous clé, mais si quelqu'un me vole la clé, il me prendra une rafale dans les jambes. Il y a déjà un sale type qui a goûté et s'en relèvera pas. En fait, c'est flippant de voir comment c'est facile de fabriquer un piège mortel. Amène le whisky. Colt, on va s'en sortir, coûte que coûte, mais on n'a aucune chance qu'il nous laisse l'alcool en avion. On s'en va pas. T'es encore bourré? Non, juste un peu chaud. On a un avion à prendre. Moi, j'y crois pas. Quoi, aux avions? Non, à tout ça. Ils veulent me dévaliser, y'a pas de virus, on se planque dans la salle de survie, on attend que ça passe. Je reste pas terré à attendre qu'un taré vienne me bouffer. C'est chez moi, c'est moi qui décide. Bien sûr, mon chou. Ah, et où est l'épée de ton papy? Dans la salle d'exposition, comme toujours. Donc, ça, c'est l'épée qu'on a récupérée tout au début. Je vais la chercher, tu pourras l'utiliser pour repousser les cinglés qu'on croise en chemin. Bébé, laisse tomber l'épée, rejoins-moi, bébé. Cindy, arrête de faire la conne. Ok, donc on sait comment ça s'est terminé. Hein. Dans la salle d'exposition. Oh, coucou vous. C'est l'explosion qui vous a fait. Vous énervez comme ça? Par l'autre côté, nous, excusez-moi. On va tester un peu, tiens. Oh oui, ça fait le taf. Ça, c'est un bruit d'exploseur, ouais. Allez, approche-toi. Vas-y, explose. Non, tu veux pas exploser quoi. Si, ça y est. Et en bas, c'est une crieuse. Ouais. Attendre qu'elle finisse de crier. T'arrêtes de crier ou pas? Et maintenant, c'est parti. L'enfoiré qui nous repousse sur l'éclateur quoi. Allez machine, décède. Putain. Ça y est, elle est efficace cette petite épée. Ne rien, ça fait le taf. La clé. Ah mais il y en a encore qui sortent quoi. Ça y est, c'est détendu là. Très bien. Pourquoi ils me disent de repartir par là? Ouvrez le coffre de la chambre. Ah non, c'est l'autre quête là par là. Arrête de faire n'importe quoi je. Non, on remonte dans la chambre là. Ah les mecs, ils avaient des coffres dans la chambre, une salle de survie. C'était un petit peu la teuf quand même hein. Cette baraque. OK. There you are. Okay, whiskey. Got somewhere to be. On a le whisky maintenant. Il faut qu'on aille là-bas. Oh putain, c'est loin. C'est loin, mon dieu, c'est loin. Et bah go.
faire un petit peu d'exercice. Hein. On va équiper peut-être autre chose que ce truc pour éteindre les flammes. Genre ça, un petit cocktail Molotov des familles. Une hurleuse, on s'arrache. Coucou toi. Au revoir toi. Ah d'accord, je te mets des gros coups d'épée, t'en as rien à foutre. Donc ça c'est la maison de Curtis, c'est pas la bonne. An ancient bottle of wine. Gotta be a wine cellar in a place like this. Alors, on va passer à la piscine. Voir si c'était cette piscine là, à tout hasard. Bah, ça a pas l'air, hein, malheureusement. Il n'y a rien d'avoir rien du tout. C'est pas cool. Sinon, il y a cette piscine là, éventuellement, où il y a aussi les deux, du coup. Bon, ils sont tous en train de monter l'escalier. Il y avait un nom, lui, j'ai l'impression. L'agent d'entretien de la piscine, d'accord, très bien. Ah bah si, c'était lui, Obi. Et bah c'était bien cette piscine là en bas. Hop, on descend. On a maintenant la clé de la piscine, donc il faudra qu'on retourne chez les autres à l'occasion. Mais la priorité du coup... c'est de trouver... Salut toi. Le gros tas il saute pas, hein. Le gros tas il saute pas. Ah si. Le gros tas il saute carrément, donc il nous faut notre batte de baseball préférée. Ça fait tellement mal. Il aime tellement pas ça. C'est un truc de fou. Ouh, carabine à tir en rafale. Bah salut toi. Bon, toi par contre, tu t'es un peu perdu. Je tiens à te le dire. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec cette sacrée cave à vin là. Celle où on avait pété la... on avait déclenché l'alarme là. Et on l'a redéclenché. Hop là. Ah, c'est une hurleuse. Oh la vache. Laisse-moi approcher. Enfoiré. Enfin, ça fait pas de dégâts ce truc, c'est déjà pas mal. Bon, elle, elle a l'air d'être affaiblie par les trucs à impact. Hein. Par contre, entre l'alarme et l'autre qui crie là. Oui, je peux utiliser ma colère sanguinaire, mais je suis pas dangereux, hein. Ça va. Ça y est, t'es mort. Ok, très bien. Non, c'est pas ça. J'entends un petit bruit. Salut toi. Even I've drunk this stuff. C'était quoi ça? Pourquoi je prends des dégâts? Qui m'attaque? C'est genre pas quand je marche sur les... sur les morceaux de verre, non. Oh yeah, you feel old, really old. You there, kid?
If you're still down at that modern mansion, look out for a cigar box. Boîte de cigares. Cuban. Gave them as a housewarming gift, and I got a hankering. Dude, really? All right, but this is the last thing. Then I'll sweeten the deal. Check their master bedroom, and you'll find a little something extra. On trouvera un petit extra. Eh ben écoute, on aime les extras. Ah. On n'a pas la clé. Tombe. Ah oh bah je peux t'écraser la tête. Je t'écrase la tête du coup. Alors du coup on n'a pas la clé qu'il nous faut pour cette foutue chambre. Un extra de zombies. Oh mais si. C'est ça qu'on veut. J'imagine que tu peux pas juste rentrer comme ça. Non. Ah oui, il y a l'air d'avoir des trucs cool là-bas. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette clé? Il doit certainement y avoir un zombie spécial à tuer, on va fouiller un peu. Cet étage là, il n'y a pas grand chose. Hein. Si on peut sauter dans la flotte, ça nous fait des dégâts. Ah oui. Ça fait pas très profond pour sauter, faut avouer. Alors, où est-ce qu'il peut être Toi t'es mis live, je sais pas pourquoi t'es mis live, il y a une musique qui se lance. Pourquoi il y a une musique qui se lance? Qu'est-ce qu'on a à gros? On a à gros un truc. La musique se lance quand on est dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Y a rien pourtant. On a peut-être pas débloqué le type de zombie qu'il faut. Bizarre. Bizarre, bizarre. Sympathique ce tableau. On va descendre voir si en dessous à tout hasard il n'y aurait pas de mec qui nous déclenche ça. Ok, ça c'est un hurleur de base. Et t'arrêtes de crier, oui? Ah merde, on a chopé. Elle va se recharger l'autre. Rapide hein. Bon, ça lui fait mal ça au moins. Par contre, il y a du monde. Mais personne qui nous donne ce qu'on veut. Bah je pense qu'on peut pas faire cette quête pour l'instant. Il doit nous manquer un zombie qui doit apparaître certainement dans la zone là-haut. Ce qui veut dire qu'on a encore des zombies spéciaux à découvrir, cela dit. Du coup... On pourrait aller chercher ça. Faire la quête principale. Non, c'est très loin. On peut retourner à l'hôtel vite fait. Ouais. Globalement, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'instant.
Tout simplement parce qu'à 18h, on va se retrouver pour un petit live de nouveau. Ça sera à 4, ce sera en coop, ce sera pas sur Dead Island, ce sera sur Eresis. Un petit jeu sympathique de d'horreur et de zombies, n'importe quoi, lié à Lovecraft. J'en dis pas plus, on se retrouve tout à l'heure. Merci en tout cas à ceux qui ont regardé la VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. C'est le bon moment. Je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite.